signé Furax. Le gruyère qui tue. 8e épisode. Non! Non, c'est pas possible. Mademoiselle Fiot, elle s'est évadée. Mais oui. Et c'est du temps que Fabius ferait surveiller nos parages, elle a envoyé Monsieur Clodomir nous livrer du rhum. Oh, bravo! Merveilleuse, Mademoiselle Fiot. Comme nous l'avons méconnue, hein. On la croyait idiote, elle n'était que stupide. Stupide? Ouais, stupide. Eh oui, mais bien sûr, il faut être stupide pour croire un instant que vous pourriez sortir d'ici, Socrate. Eh oui, bien sûr. La maison est surveillée. Ah, là oui, alors j'ai été interrogé par un monsieur debout dans l'avenue. Eh oui, c'était couru, vous ne pourrez jamais aller jusqu'au bal entier. Eh non, hélas. Et peut-être vous pourriez emprunter mon manteau et mon chapeau, monsieur. Ainsi, on vous prendait pour le maestro Clodomir. Mon petit porteur est là dans l'avenue et vous iriez très vite jusqu'au bal entier. Ah, c'est peut-être une idée, ça. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Furax? Monsieur Clodomir est martiniquais, Socrate, vous êtes de Valenciennes. Ah. C'est pas précisément la même couleur de peau. Eh, ça, évidemment. Ah, ah ça, c'est juste, monsieur Socrate. Ah, ça peut s'arranger, Socrate. Oui? J'ai là une grosse lampe de brunissage. Ça va vous donner la même carnation que monsieur Clodomir en moins de deux. Bah, une lampe de brunissage? Bah, pourquoi pas? Si c'est efficace. Si c'est efficace, bah, jugez-en. Un soir, histoire de me distraire, j'ai transformé à l'aide de cette lampe un fromage blanc en cirage noir. Alors, voyez, je vais aller vous la chercher. Ça va aller. On va bien s'abuser, hein. Monsieur Socrate, on va le transformer en enfant de Saint-Pierre et Miquelon. Ah, oui, mais en admettant que ça réussisse, ça ne résout pas pour autant le problème. J'ai pas votre accent, moi, monsieur Clodomir. Ah, ça c'est vrai. Alors, moi, j'ai l'accent de la Martinique. Hein. Tous les Martiniquais, ils ont l'accent de la Martinique et vous n'avez pas l'accent de la Martinique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais vous apprendre, monsieur Socrate, c'est pas difficile. Le parler martiniquais, c'est à parler t'es doux. Et puis, en prononçant jamais les airs. Les airs, vous voulez dire? Et maintenant, à nous deux, monsieur Socrate, répétez. Toi, go, ragri, dans toi, go, tout est cru. Trois gros ragris dans trois gros trous très creux. Ah, c'est pas ça, monsieur Socrate. Ça fait tout anglais, au commencement. Ah. Trois gros ragris dans trois gros trous très creux. Ah non, ça, alors à présent, c'est américain. Oh, oh. Alors, popère, ça commence à brûler. Oui, alors, le langage, il va aller mieux. Mm. Forcément, ça marche ensemble. Mm. Encore, monsieur Socrate, allez. Trois gros ragris dans trois gros trous très creux. Non, Socrate, cette fois, vous prenez l'accent corse. Eh ben, c'est pas commode, je voudrais vous y voir. Ah, ça vient, vous avez dit, je voulais vous y voir, c'est presque ça. Ah, bon, ça brûlait encore, c'est bien. Ah. Vous avez presque le teint de monsieur Clodomir. Allons maintenant, ça va aller tout seul. On a le teint martiniquais, on parle martiniquais. Allez-y, monsieur Socrate, allez. Attendez que je peine mon élan. Toi go, Agui, dans toi go, tout est que. Aïe! Bon, à présent, je me sauve, en espérant que mes anges gardiens n'y verront que du feu. Hé là, c'est vous? Dites donc, vous êtes resté bien longtemps dans cette baraque, hein? Qu'est-ce que vous avez vu? Moi? J'ai vu trois go agri dans trois go tout est creux. Bien le bonsoir, monsieur. Hé, les gars, vous avez entendu ce qu'il a dit, le bougnoul? Eh oui, qu'il avait vu trois gros agri dans trois gros trous très creux. Oui, ben moi, je suis pas client, hein. Les rats, je peux pas les piffer. Je me tire. Hein. Oh, moi aussi, j'ai pas envie de me bagarrer avec les rongeurs seulement. Et si jamais monsieur Fabius, le patron, il apprend qu'on a lâché la surveillance... Ah, il en saura rien. De toute façon, c'est pas nous qui irons le lui dire. Hein. T'as raison. Allez, les gars, on les met. Fiot, je vous ai souvent injurié, souvent méjugé, souvent sous-estimé, mais vous avez joué là... Hein. Coup de maître. Oui, vous avez été à bonne école, patron. Et grâce à vous, nous tenons une arme formidable. Une arme à deux pointes, primo. Le sergent Fabius, mon remplaçant à la DDT, est un dabu, exact? Exact, un soumis même. Mais je m'en doutais d'ailleurs. Il m'avait dit indubitablement. Et Dezio? Dezio, c'est un tueur. C'est lui qui a tiré sur Léopold Van Peremersch pour le faire disparaître. Et ça, nous l'ignorions. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça à présent, monsieur Socrate? Écoutez... C'est difficile de se concentrer ici. Allons ailleurs. Où ça, patron? Eh ben, chez Black & White, par exemple. Là-bas, au moins, c'est l'intimité, le calme, le silence. Non, c'est la seule chose à faire. Mais non, la seule chose à faire, on va se demander parce que ça arrive de chez moi. Allez ouvrir, Asti. Si, on blague, alors quoi? Mais non, réfléchis. Oh, mais non. Oh, Solane. Mademoiselle Fiot. Mademoiselle Lavion. Alors? Sortie de prison? Eh oui, mais pas acquitté, vous avez tué personne. Et vous, mes bons amis, mais pourquoi tous ces cris? Ah, oh, ça... Christ, c'est une affaire. Asti, ne dites rien. Alors voyons, Black, à moi. C'est une affaire privée. Voilà, Socrate. En un mot... Ah ouais, je t'interdis de lui dire. Mais pourquoi pas? T'as honte de tes opinions? Non, mais... Alors, voilà, Socrate. Oui. Vous voyez la meule de gruyère, là? Le gruyère qui tue? Oui.
Eh bien, Black voudrait essayer de... De ? D'en manger. De... C'est vrai, Black ? Oui, Socrate. Pourquoi pas ? Allons. Black, mon vieux, soyez raisonnable. Oh, vous perdez votre temps, Socrate. Voilà 48 heures que je lui fais de la morale. Oh, madone, on a fait tout ce qu'on a pu pour lui retirer ce télé dans la tête. Rien à faire. Oh, mais je vous en supplie, Socrate, ne me prenez pas pour un fou, vous aussi. Ah, vous qui êtes quoi, vieux Black? Écoutez, je dois dire... Déjà, vivre ici, dans cet appartement, avec cette meule de gruyère maudite, ce fromage qui palpite, c'est de la folie. Mais vouloir en manger, sciemment, froidement, et partager volontairement le sort de Malvina et tous les autres, alors ça, c'est de la démence, C'est risqué, Black. Et après, ce serait la première fois qu'on risquerait? Non, bien sûr, mais alors pourquoi pas un autre que toi? Oh là là, moi je suis pas rien. D'abord le gruyère, c'est mieux que le parmesan. Pourquoi pas moi? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée le premier, vieux White. C'est bon, admettons même. N'importe comment, on peut pas faire ça ici. Oh, dis, non, d'ici que les hommes au sergent Fabius ils viennent de mettre les nez dans nos affaires, y a pas loin. Eh, il faudra aller ailleurs. D'accord, mais où? Mais où? Telle la question de nos amis Black et White, telle la question que se pose au même instant Furax dans sa villa surpeuplée de Saint-Cloud. Mais où? Tu m'amuses, Philodendron, je veux bien partir, d'accord? J'admets que les policiers de Fabius ont relâché leur surveillance, d'accord? Mais où aller, mon petit? Ah, ça! Si monsieur m'autorise cette interjection perplexe... Bon, encore une fois, je vais devoir prendre seul une responsabilité. Je vais donc partir, mes amis. Vous laissez la maison. Et vous souhaitez bonne chance. Ah. Pas d'objection? Si. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous, Théo, pourquoi donc? À cause du Belge. Léopold Van Peremerge, depuis qu'il a failli être assassiné par les babus, il est intenable. Intenable? C'est exact! Je ne peux plus travailler! Le moment est venu de nous séparer, mon cher Léopold, vous allez partir. Mais où est-ce que je vais une fois dirigé, mais pas hésitant et incertain? Où vous voudrez. Tenez, voilà une petite somme d'argent. Suffisante, je crois, pour vous permettre d'aller faire vos mots croisés où il vous plaît. Oh, merci, monsieur Furax, mais je ne retourne pas au Tanganyika, oh non. Je vais aller une fois faire mes mots croisés en Zambésie, tu sais, hein, sur les rives du Zambèze, tu connais? Oui, c'est immense et très beau. Alors, je trouverai sûrement là-bas des jolis problèmes de mots croisés à résoudre en me rappelant le séjour que j'ai fait auprès de vous. Ça n'aura été qu'un épisode pour vous, Léopold. Oui, mais je ne l'oublierai pas. Qui ne s'acquiert qu'au bout du compte en cette lettre. Vous cherchez une définition de mot croisé, Furax? Oui, et qui s'applique à Léopold, qui ne s'acquiert qu'au bout du compte en cette lettre, c'est sagesse. Oui, c'est bien ça, sagesse. Comme vous le regardez partir, vous le regrettez? Peut-être. Et qui sait si je ne l'envie pas? Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, je regarde s'il n'est pas suivi. Philodendron, regarde aussi. Pas de policier en vue? Non, monsieur Furax. Si toutefois j'ose employer cette particule négative. C'est bon. Alors viens, Philodendron, on part. Pour où? Si monsieur me permet cette interrogation péruvienne. Ma vie n'est faite que de départ. Mais retiens bien ceci, Philodendron. Quand Furax dit qu'il part, on ne lui demande jamais où il va. Ah! Bravo! Bravo, joli travail, sergent Fabius! Oh ben, mettez-vous à ma place, monsieur Blackman. Mais c'est vous que nous avons mis à votre place, c'est vous que nous avons fait nommer chef de la DDT. Et votre premier acte est une bourde gigantesque. Ah, je pouvais pas deviner que cette idiote de mademoiselle Fiat allait me reconnaître. C'était à prévoir. Elle était la seule à vous avoir vu le jour où vous avez tiré sur le Belge à l'Institut d'électronique. Il fallait la garder sous clé. Et je pouvais pas prévoir qu'elle allait s'évader. Vous n'avez pas l'air de prévoir grand-chose, sergent Fabius. Je vais m'y mettre, monsieur Blackmuff. Je vais m'y mettre, je suis nouveau. C'est trop tard maintenant. Mademoiselle Fiat a réussi à joindre Socrate, et à présent, toute cette bande de canailles, Furax en tête, est au courant de vos actions d'éclat. Vous croyez? J'en suis certain. Tous nos amis savent à présent que le nouveau chef de la DDT est un ancien tueur à gages. Mais alors, votre énergie fait plaisir à voir. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord et avant tout, on les laisse tranquilles. On les oublie, on les ignore, on ne les excite pas.
Ah oui, mais ça va pas empêcher Socrate d'écrire au conseiller permanent des services de sûreté pour me dénoncer. Bravo, Fabius. Vous commencez à prévoir. Il s'éveille, ce petit, s'éveille. Et si le conseiller permanent reçoit une lettre m'accusant d'être un tueur, ça va quand même lui faire dresser l'oreille. Oui, peut-être. Sauf s'il en a reçu d'autres avant. Avant? Je vois pas ce que vous voulez dire, monsieur Blackbeef. Moi, je vois, sergent Fabius. Laissez-moi faire. On va bien rigoler. Décidément, mon petit Asbestos, j'ai beau être un type d'exception, je ne suis pas doué pour la dactylographie. Ben, c'est pas donné à tout le monde, ce Claquemuf. Mais si vous avez une lettre à dicter, moi, je peux vous la taper. Très bien, Asbestos, mais tu m'avais caché ce talent. Alors, allons-y, tape ce que je vais te dicter. C'est adressé à monsieur le conseiller permanent des services de sûreté. Compris? Ça y est. Bon, le texte à présent. Monsieur le conseiller, pour le bien de l'intérêt général et votre sécurité en particulier, j'ai l'avantage de vous informer que le secrétaire perpétuel de l'Académie française est un dangereux trafiquant de drogue. C'est vrai ça, monsieur Claquemuf? Oh ben ça alors! Ne t'occupe pas, étape en post-scriptum. Et n'oubliez pas, monsieur le conseiller, que les artichauts froids sont meilleurs que chauds. Mais ça va pas, patron! Ça veut rien dire! Ne t'occupe pas, je sais ce que je fais. Mais vous signez pas, monsieur Claquemuf? Bien sûr que non, naïf Asbestos, c'est anonyme. Monsieur le conseiller! Mais qu'est-ce qui vous trouble, monsieur Voulvoul? Il y a une lettre anonyme pour vous. Une lettre anonyme, vraiment? Où l'avez-vous trouvée? Dans le courrier. On le dépouillait comme d'habitude pour vous donner que l'essentiel. Monsieur Voulvoul, donnez. Voyons. Le secrétaire perpétuel de l'Académie, trafiquant de drogue, les artichauts froids sont meilleurs que... ça m'a tout l'air d'être le fait d'un malheureux aliéné. Je la jette au panier, monsieur le conseiller. Non, mettez-la au dossier lettre de fou, ça pourra servir pour les statistiques de fin d'année. Prêt, Asbestos, pour une deuxième lettre anonyme? Prêt, patron, à quelle adresse? La même, à monsieur le conseiller permanent des services de sûreté. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai le regret de vous prévenir que le gardien du square d'Anvers est un dangereux satyre. Post-scriptum, renseignement pris, Philippe Auguste est un imposteur, c'est pas lui qui a gagné la bataille de Bouvines, c'est du Guesclin. Monsieur le conseiller, une autre lettre anonyme. Encore des données, monsieur Voulvoul. Oui, même style, même incohérence. Le gardien du square d'Anvers, Philippe Auguste, complètement stupide. Ça n'a aucun sens. Inversé au dossier des lettres de fou. Asbestos, relis-moi ce que je viens de dicter. Voilà, monsieur Claquemuf. Je tiens à vous signaler que le samedi et le dimanche, le directeur de la Sécurité sociale va faire un tour de champ équivoque et grivois en travesti dans les beuglants de la périphérie. Post-scriptum, quant au sergent Fabius, le chef de la DDT, c'est un dangereux tueur. Post-scriptum, quant au sergent Fabius, le chef de la DDT, c'est un dangereux tueur. Décidément, ce maniaque anonyme ne sait plus quoi inventer. Voilà maintenant qu'il s'en prend à cet excellent Fabius. Complètement cinglé. Je relis, monsieur Claquemuf. Oui. Comme je vous le disais, l'ex-sergent Fabius est un dangereux tueur. C'est lui qui a poignardé le président Sadi Carnot. Il a aussi étranglé la hernie de sa belle-sœur et c'est lui qui a tiré 3 coups de feu sur un Belge invité à l'Institut National d'Électronique. Post-scriptum, la terre glaise, c'est comme le homard, quand c'est cuit, c'est rouge. «
monsieur Voulvoul, j'ai déjà reçu des lettres anonymes, mais je mène aussi des mensuels. Enfin, vous vous rendez compte? Oh, oui, monsieur le conseiller, ça ne tient pas debout. Comme vous dites, maintenant, il s'en prend exclusivement à ce brave Fabius. Ça tourne positivement à l'idée fixe, ce qui est courant chez les aliénés. En tout cas, cet individu lui en veut. Et comme de juste, il s'acharne. Triste chose que le dérangement cérébral, monsieur Voulvoul. Mettez ce billet avec les autres dans le dossier des lettres de fou. Bon, c'est tapé, cette lettre, mademoiselle Fiat. Voilà, monsieur Socrate, vous n'avez plus qu'à signer. Mais je ne vais pas signer. On croirait une vengeance à une jalousie. Allez, donnez-moi. Monsieur le conseiller permanent des services de sûreté, ancien fonctionnaire, directeur d'un important service, je crois qu'il est de mon devoir de signaler que l'ex-sergent-pompier Fabius n'est qu'un tueur à gages. J'ai en main la preuve qu'il a tenté, le 10 février, d'assassiner le cruciverbiste belge Van Peremersch, et dans l'espoir que voudrait bien ouvrir une enquête, je vous prie d'agréer, monsieur le conseiller. Encore une lettre de dénonciation. Formidable ce que les fous peuvent avoir de la suite dans les idées. Allez, hop, au dossier, monsieur Voulvoul. Entendu, monsieur le conseiller permanent. Ce sergent Fabius doit être un bien brave homme pour qu'on lui en veuille tellement. Je suis ravi de l'avoir nommé. Faudra me faire penser à augmenter ses appointements. Vous m'avez fait demander, monsieur le conseiller. Oui, mon cher Fabius, oui, pour vous mettre au courant. Au courant de quoi déjà? Voyons. Ah, oui, voilà. Je voulais vous mettre au courant de lettres anonymes qui vous concernent. Moi, monsieur le conseiller? Oui, mon cher Fabius, me rassurez-vous, des lettres de fou. Non, je vous mets au courant pour la forme, ce sont des lettres complètement délirantes. Oui. Et il signe comment, ce client anonyme? Voyons, Fabius, anonyme. Ah, oui, ça veut dire qu'à la place de la signature, il met rien. Vous y êtes. Naturellement, je ne tiens aucun compte de tout ça, mais enfin, j'ai voulu néanmoins vous mettre au courant. Ah, merci, monsieur le conseiller. Et vous n'avez eu aucune idée de l'auteur de ces lettres? Oh, absolument pas. Un jaloux, probablement, ça lui aura monté au cerveau. C'est très probable. Oh, mon cher Fabius, la jalousie, ça en fait faire des choses. Alors là, monsieur Claquemuf, pardon, un chapeau. Ça, vous êtes un vrai crack. Oh, champion que vous êtes, patron. C'est rien battre de travailler sous vos ordres. Merci, Fabius. Merci, Asbestos. Oui, je crois en effet que mon petit stratagème n'était pas mal imaginé. Parce que j'ai pu me marrer quand cette vieille cloche de conseiller m'a lu les lettres anonymes. C'était du tonnerre. Oh, des mecs comme vous, ils méritent leur buste et caisse, patron. Oh, n'exagérons rien, non. J'ai simplement calculé juste en expédiant une lettre anonyme à chaque courrier. Je pensais bien créer le climat nécessaire. Et vous vous êtes pas bourré, hein, du coup, humain. dites. Et monsieur Claquemuf, il a bonne mine maintenant, le commissaire Socrate. Comme tu dis, il peut faire ce qu'il veut. À présent, Fabius, ta position est solide et tu peux désormais diriger la DDT dans le sens que nous voulons. Aïe, 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 comme le rire des méchants sonne dur à l'oreille du juste. Et triste ô combien, la victoire des infâmes pour nos amis désespérés. Non, je ne comprends pas. Vous êtes sûr que votre lettre était claire, Socrate? On ne peut plus clair, Furax. D'abord, c'est moi qui l'ai tapé et j'ai tout compris, alors. Si mademoiselle Fiat a compris. Eh bien alors, pourquoi le conseiller permanent n'a-t-il rien fait? Oh, mais il a fait quelque chose, si. Il a reçu Fabius très cordialement, et on les a vus sortir bras dessous de son bureau. Il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans. C'est pourtant pas un babu, lui aussi, non, ce conseiller permanent? Qui sait, des tas de gens ont été contaminés par ce gruyère qui tue. Les babus ont voulu s'assurer des alliés, des soumis un peu partout, à tous les échelons, avant de déclencher leur invasion totale. Non, franchement, je ne crois pas que le conseiller soit un babu. On lui a seulement imposé, ou même suggéré, la nomination du sergent Fabius. Mais qui, alors? Quand un gars est pistonné, on doit pouvoir au moins savoir qui a poussé la bielle, non? Oui, ça, on le saura. En attendant, puisque la lettre n'a eu aucun effet, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Je vais de ce pas voir le conseiller permanent des services de sûreté. Monsieur l'ex-commissaire Socrate,
Je pense que vous mesurez l'effort que je fais en acceptant de recevoir un ancien fonctionnaire révoqué à la suite d'un scandale. Oui, un scandale, n'exagérons rien, monsieur le conseiller. Je pèse mes mots. L'affaire du guignol clandestin a été peu à peu étouffée, peut-être, mais vous y étiez quand même compromis. Arrêtez, je vous en prie. Venons-en au but de votre visite, j'ai très peu de temps. Eh bien voilà, monsieur le conseiller. Les révélations que vous avez reçues au sujet du sergent Fabius, eh bien, c'était moi. C'était vous? Oui. Tiens, mais voilà qui change tout. Monsieur Voulvoul! Monsieur le conseiller? Monsieur l'ex-commissaire Socrate vient de m'apprendre qu'il est l'auteur des dénonciations concernant le sergent Fabius. Tiens. Oui. Ainsi donc, cher monsieur Socrate, ce Fabius a tué le président Sadi Carnot. Exagérons rien. Mais si. Et il a tiré sur un Belge nommé Van Peremers. Ça, oui. Mais comment donc? Et il a assassiné Jules César sur les marches du Sénat. Ne mélangeons pas. Tout ceci est parfait, monsieur Socrate. Il va faire l'objet de mesures immédiates. Je serais ravi si vous pouviez agir très vite, monsieur le conseiller. Mais bien sûr. La sécurité du pays est en jeu. Mais comment donc? Vous êtes compréhensif. Oui, d'ailleurs, monsieur Voulvoul va s'occuper de vous tout de suite. Bien, monsieur le conseiller. Vous allez téléphoner à qui de droit, n'est-ce pas, Voulvoul, pour demander qu'on vienne étudier les révélations du commissaire Socrate. Ah, vraiment, c'est chic de votre part, monsieur le conseiller. Mais non, c'est la seule chose à faire. Allez, vite, monsieur Voulvoul, et demandez qu'on vienne d'urgence. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, monsieur. Allô? C'est l'infirmerie spéciale? Ici le bureau du conseiller permanent des services de sûreté. Envoyez-nous deux hommes, très vite! On a quelqu'un pour vous! Tout de même, monsieur Black, je suis inquiète. Ah, pas de raison d'être inquiète, mademoiselle Fiotte. Le commissaire Socrate est un grand garçon, à présent. S'il n'est pas rentré hier soir, c'est qu'il a ses raisons. Alors. C'est bien, monsieur White. Mais tout de même, on n'a plus de nouvelles de lui depuis sa visite au conseiller permanent. Qu'est-ce que ça prouve? Il n'a pas mangé, cet homme. Oh, j'ai envie d'y aller voir. J'en aurai le cœur net. Mais parfaitement, mademoiselle, il est venu me voir. Oh, ben vous me rassurez, monsieur le conseiller. Et nous nous sommes même tout de suite occupés de son cas. Oh, heureusement qu'il est arrivé à temps pour empêcher le sergent Fabius d'en tuer d'autres, hein. Ah, parce que vous aussi... Et moi aussi, je suis au courant. Oui, c'est moi qui ai tapé la lettre. Ah, bon. Et c'est à moi que Fabius a fait la cour pour avoir la clé du Belz, le jour où il a tiré dessus. Ah, bon, vous aussi. Je me suis toujours douté que c'était insoumis, ce Fabius. Il avait une tête à avoir goûté aux gruyères. Aux gruyères, mais oui. Vol. Monsieur le conseiller? Mademoiselle Fiotte est la secrétaire du commissaire Socrate. Ah, bon. Oui. Elle en est au même point que lui. Ah, très bien. Alors, même processus, hein? Allô, l'infirmerie spéciale? Ici le cabinet du conseiller permanent. Alors, comme hier, deux hommes, très vite. Et attention, cette fois-ci, c'est une femme. Mon cher White, j'ai du nouveau. Mais racontez, Furax, mon vieux. Je sais comment et par qui le sergent-pompier Fabius a été nommé directeur de la DDT. Non. C'est pas possible. Mais comment vous avez fait? Eh bien, mes chers amis, c'est une dame assez bien placée qui s'appelle, je vous le donne en mille, la comtesse Rondibesco. Non, pas possible. Christ, on l'a vu venir. Oh, ça alors là. Étonnant, hein? Ah. Et pourtant tellement logique. Les babus mettent peu à peu leurs soumis à tous les postes clés. Mais la comtesse... Elle est donc à Paris? Absolument pas, on ignore où elle est. Et pourtant, monsieur se rappelle qu'à Toulon, elle ne disposait que de 30 276 francs pour voyager à trois personnes. Je sais, Philogène, ton idée était bonne, d'ailleurs, d'aller te renseigner au guichet. Alors? Eh, dis, alors, quelle est l'erreur? En tout cas, je suis certain de mes calculs. 10 092 divisé par 8, ça fait 1261,5 km. Oui, divisé par 8, ça fait... Divisé par 8... Attends un peu, Philo. Pourquoi divisé par 8? 8 francs. Le prix du kilomètre en seconde classe. Mais voilà, mes amis, c'est ça l'erreur, L'erreur, c'est la seconde classe. Ouais. Malvina, même ruinée, ne voyage pas en seconde classe. Vous êtes sûr, Flax? C'est une aventurière de luxe, mon cher White. Vous oubliez à quelle école elle a été formée.
Quel est le prix du kilomètre en première, Philo? 12 francs, monsieur, si j'ose me permettre cette énormité. Attendez, je vois. 10 092 divisé par 12, ça fait plus que 841 kilomètres. Ah, ils auraient donc pris à Toulon 3 billets pour faire 841 kilomètres. 841 kilomètres de Toulon, qu'est-ce que ça donne comme ville, Philo Dindon? Philo... Mais où est-il? Où es-tu passé, Philo? Ici, à côté. Monsieur, je donne un coup de fil au dindron. Un coup de fil d'un quoi? Pardon, un coup de fil au renseignement de la SNCF. J'ai la réponse. Non, déjà? Déjà? Oui. Oh, ça, c'est une... Bon, alors, 841 kilomètres de Toulon. C'est Andaille, monsieur, avec un changement à Narbonne. Andaille. Bon sang, Andaille. Oui, je crois que j'ai compris. Adieu tous. Philo, on s'en va. Toujours prêt, monsieur Furac. Dis, vous partez comme ça, mais vous dites même pas au revoir à monsieur Black. Il va revenir tout de suite. Non, j'ai pas le temps, vous lui serrez la main pour moi, ouais. Où est-il? À Saint-Cloud, chez vous. Il voulait parler au professeur Hardy Petit. Voilà, professeur. Et ma décision est irrévocable. Mais bravo, mon cher Black, bravo. Ah, Théo, mon ami, ça va être extraordinaire. Je le crois, bon papa, extraordinaire et sensationnel. Ah. Papa, Théo, votre attitude est ignoble. Hein? Oh bon, ma petite fille, qu'est-ce qui te prend? Oh, la science, toujours la science, rien que la science. Ça vous enlève tout sentiment d'humanité. Oh, tu exagères, Carole. Je sais ce que je dis. Cette expérience est monstrueuse. Oh, Black, je vous en prie, reprenez-vous. Il en est temps encore. Non, Carole, j'ai mûrement réfléchi et ma détermination est irrévocable. Je me soumettrai à l'expérience du gruyère qui tue. Je servirai de cobaye. Je vous en conjure. Oh, Black, c'est trop terrible, j'ai peur. Mais que va-t-il se passer? Mais il se passera rien du tout. Et Black n'a rien à craindre. Et d'ailleurs, ne sommes-nous pas là pour tout surveiller, tout contrôler? Je serai fin prêt, professeur. Et très calme. Tant mieux, parce que... n'est-ce pas, c'est pas pour vous faire peur, mais en dépit de toutes mes précautions, on va dans l'inconnu. Je le sais, professeur. Dans quelques heures, cher Black, vous commencerez une nouvelle vie. Alors, Black, c'est décidé. C'est décidé. Bon, alors comment est-ce qu'on procède? Mon prochain débat. Eh ben, il me paraît logique de suivre le processus de Malvina. Ouais. C'est également ma façon de voir. Oui. Le cas de Malvina étant le seul que nous connaissions. Voyons, tâchons de nous rappeler. Quand elle habitait avec Furax, mais un peu tard, dans le département du Jura... On lui a livré une demi-livre de gruyère dont elle s'est servie pour confectionner un macaroni au gratin. Dont elle a mangé. Voilà. Nous connaissons la suite. En conséquence, c'est ce même processus que nous allons employer pour Black. Pas d'objection, Théo? Non, mais ne perdons pas de vue que nous devons supposer que cet être mystérieux qui palpite à l'intérieur de la meule se répand instantanément dans la partie qu'on découpe. C'est exactement ce que je pense. Même râpé, ça subsiste. Ouais. Enfin, ça doit subsister. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Est-ce que vous savez râper? Ah, si, monsieur Théo. Canapolis était le meilleur rappeur de toute la ville. Pourquoi personne n'y peut rapper plus fort que moi? Bon, alors, râper. Voilà. Eh, que c'est du beau rapage. Ah non, mais il faut encore vérifier. Chut, attendez que j'écroute. C'est merveilleux. C'est positif. Oh, mes amis, ça palpite dans le râpé. C'est magnifique. Bon, à présent, suite du processus, Carole va préparer le macaroni. Je ne préparerai rien du tout. Mais enfin, quoi, la cuisine, c'est ton ressort, non? La cuisine, oui, mais pas n'importe laquelle. Et en tout cas, pas celle-là. Je suis contre l'expérience. Oui, on le sait. Asti, vous savez faire le macaroni? Si, monsieur Théo Napolitain, vous passez. Bon. Black, t'as l'air tout songeur. Qu'est-ce que tu regardes? Elle me livre de râpé, Wade. Oui. Ah oui, je la regarde. Vieux Black, tu me fais peur. Laisse-moi. Ainsi te voilà donc, râpé mystérieux, râpé insolite, râpé angoissant, râpé suspensif, râpé porte ouverte. Râpé que je regarde, râpé qui me contemple. Oui, râpé porte ouverte à deux battants sur un monde inconnu. Qui les deux triomphera de l'autre? Peut-être toi, ô gruyère d'épouvante. Peut-être moi qui vais, en héros inconscient et valeureux, te mastiquer, t'avaler pour connaître l'inconnaissable. Ô gruyère, ô râpé, ô gruyère qui tue, que vas-tu faire de moi?
Et pendant ce temps-là, Furax et Philodendron, à l'autre bout de la France, descendaient du train. Voilà, Philo. Nous voilà à Andaï. Vous êtes sûr que c'est ici que vous retrouverez la comtesse Fondivesco, monsieur? Qui peut savoir? Je me souviens seulement qu'elle a passé une partie de son enfance par ici. À Barnegarambide, exactement. Vous savez où c'est? À 15 kilomètres, à peu près. La villa Biatarana. Allons traîner par là. Habillé comme ça, on va se faire remarquer. Nous allons nous déguiser, Philo. Fais-moi confiance. La nuit tombe lentement sur la côte basque et le petit village de Barnegarambide s'endort, bercé par le bruit de l'océan. Là-bas, sur la colline, près de la villa Biatarana, deux pâtres font paître deux chèvres dans le crépuscule mauve. Ça ne va pas faire bizarre, monsieur Furax, deux pâtres pour deux chèvres seulement? Mais pas du tout, Philo, c'est normal. Chacun la sienne, moi j'ai la chèvre Babylone, et toi la chèvre Courbe. C'est qu'il ne s'agit pas de se faire repérer. Si la comtesse Rondibesco est vraiment venue se réfugier ici, elle aurait vite fait de... Et si elle est venue se réfugier ici, mais tout ça n'est qu'une faible hypothèse. Tais-toi. Malvina avait passé une partie de son enfance à la villa Biatarana, mais à présent la comtesse Rondibesco se souvient-elle? Tais-toi, le Courbe. La gruyère qui tue, a-t-il tout tué en elle? Ou y a-t-il encore un espoir? Regardez, monsieur, là-bas! La fenêtre. La fenêtre vient de s'allumer. On voit une silhouette qui vient fermer les rideaux. Une silhouette de femme. Bon sang, Philo! C'est elle. C'est elle. Elle. Elle n'a pas oublié son enfance. Elle est revenue ici. Tout n'est pas perdu, tu vois. La veuve noire est encore un peu Malvina. Cette force qui la dirige, à qui elle est soumise, cette force n'a pas tout annihilé. Nous avons encore une chance, Philo, une toute petite chance. Peut-être plus grande que vous ne le pensez, monsieur. Tu veux dire? Souvenez-vous, monsieur Furax, quand Asti était enfermée au Tanganyika sur l'ordre même de la veuve noire, oui. C'est elle qui l'a fait évader en pleine nuit. Ah, en effet, oui, elle n'était plus la même, a prétendu Asti. Elle l'a même supplié de ne pas l'appeler comtesse Rondibesco. Mais tout ça a été si court, Philo. Peut-être, monsieur. Mais elle a quand même eu une défaillance. 5 minutes au maximum. Mais ça doit sûrement se reproduire. 5 minutes. Mais quand? Tous les combien? Que monsieur se rassure. Nous téléphonerons dès demain à Asti pour le lui demander. Mais à cet instant même, Asti, le brave Asti, était aux prises avec un problème culinaire où la gastronomie rejoignait le cornélien. Les femmes, t'es pas raisonnable. Ah ben t'as pas la tournaise. Je veux bien me sacrifier, je veux bien me lancer dans l'inconnu, d'accord, mais pas le ventre vide. Maintenant ça suffit, qu'on me l'amène ce sacré macaroni au gratin. Ben, vous avez si faim que ça, monsieur Black. Oui, Asti, alors pas encore prêt ce macaroni? Allez, venez voir à la cuisine, je viens de mettre le gratin au four. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Et alors? Eh ben alors, j'ouvre la porte du four. Écoutez. Allons-y, Asti. À table. Le macaroni va être froid. Ecco. Asseyez-vous, monsieur Black. Je vais vous servir. Ouais, c'est vrai qu'il est appétissant, son gratin. Et on en mangerait presque, nous aussi. Pas vrai? Théo. Oh, pardon. Black. Black, dans un instant, tu vas manger ce gratin aux gruyères qui tue. Mais tu ne vas pas mourir. Tu seras seulement en état de mort apparente, comme l'était Malvina quand Furax l'a retrouvée un matin de juillet dernier. Et vous ne vous appartiendrez plus, habité que vous serez par une force inconnue, mais nous ne laisserons pas votre corps aux mains des babus. Vous ne serez pas insoumis, nous veillerons sur vous, Black. Christ, vous savez que si vous le mangez froid, ça va vous faire une boule sur l'estomac, hein? Ah. Asti! Oh, pardon.
Allez, on le découpe. Ça palpite toujours, vous entendez? Impressionnant. Asti, allez chercher un couteau. Allons, bon, le téléphone. Oh. Qui ça peut être à cette heure-ci? Il va être 11h du soir. Allô? Allô? Montre 12, 63, 58. Oui? On vous parle du bar de la Gambide, ne quittez pas. Allô? Allô? Allô, oui? Ah, c'est vous, Carole. Ici Furax. Ah, bonjour, Furax. Où êtes-vous donc? À Bar-les-Garambides, dans les Basses-Pyrénées. Dites-moi, est-ce qu'Asti est là? Oui, vous voulez lui parler? S'il vous plaît, oui. Ah, je vous le passe. Asti. Si. Asti. Si. Qu'est-ce que c'est? Furax. Donnez. Merci. Allô? Allô? Allô, monsieur Furax. Ici Asti, comment ça va? Vous avez beau temps? Ici c'est pas terrible, mais j'ai fait un gratin de macaroni avec le gruyère qui tue. Asti, je vous en prie. Et c'est monsieur Black qui va le manger. Dites, monsieur. Écoutez-moi bien, ne cherchez pas à m'interrompre. Si, monsieur Furax. Asti. Si. Quand vous vous faisiez appeler Moscato Minestrone au Tanganyika, qui vous avait démasqué, dénoncé et fait arrêter? Et c'était la veuve noire, monsieur Furax, la comtesse Rondibesco. Plus tard, dans la nuit, qui vous a délivré? Qui vous a fait évader et qui vous a poussé à fuir? Et elle aussi, monsieur Furax, la comtesse. Mais à ce moment-là, elle avait l'air bizarre, comme si elle était redevenue madame Malvina. Elle l'a même dit indubitablement, sans se tromper. Elle a donc eu un instant de lucidité. Elle a donc été elle-même pendant un moment. Si, mais ça n'a pas duré. Hein? Même qu'elle disait, faites vite, je n'ai que quelques minutes. Et c'était quand ça exactement? C'était le 29 janvier, le dernier des trois jours de la pleine lune, puisque je me rappelle que les boules de feu étaient tombées dans le volcan et... Il était quelle heure? 11h du soir, ça je m'en souviens bien. C'était entre 11h et 11h05. Parfait. Merci Asti. Merci et à bientôt. Tu as compris, Philo. Tu as compris. Cette force mystérieuse qui habite les soumis et qui les fait agir malgré eux, cette force s'endort de temps en temps, oh, pas longtemps. 5 minutes, monsieur? Et 5 minutes pendant chacune des 3 nuits de pleine lune. Entre 11h et 11h05. Exactement. Mais comment le sais-tu? J'écoutais votre conversation au téléphone, monsieur. Oh. Si vous m'autorisez, cette logique irréfutable. La pleine lune est quand, Philo? Demain, monsieur. Nous avons donc 3 nuits pour agir. Cette nuit, la nuit prochaine et la suivante. Agir? Mais comment? Laisse-moi faire. Pour cette nuit, c'est trop tard. Mais demain, entre 11h et 11h05, il faut que je voie Malvina. Quelle heure est-il, Philo? Monsieur entend ici le clocher de Bar-les-Garambides. 11h juste. 11h. Ainsi donc, partout dans le monde, à cet instant précis, les soumis redeviennent eux-mêmes. Tous ces êtres diminués, subjugués et habités sont pour quelques minutes ce qu'ils étaient avant. Malvina, Cocodou Labaya, Maurice la grand-mère, le sergent Fabius, tous ceux que les babus ont contaminés avec leur abominable gruyère qui tue, cessent pour un instant d'être des êtres sans volonté travaillant pour leurs ennemis. La force qui les habite s'est endormie. Eux-mêmes dorment aussi, d'ailleurs, sans se douter qu'ils sont libres pour 5 minutes. Et là-bas, au même moment, dans les caves de la fromagerie Glockenspiel, à l'intérieur des meules de gruyère entassées, stockées, massées comme des troupes avant la grande invasion, pendant 5 minutes, au cœur de ce gruyère maudit, l'horrible palpitation s'est arrêtée. Alors, Asti, vous le coupez ce gratin, non? J'attends. Si, monsieur Black, mais... Mais quoi? Qu'est-ce que vous regardez, là? Je regarde pas, j'écoute. Et qu'est-ce que vous écoutez? Rien, monsieur Théo. Et c'est ça que c'est bizarre. Bizarre? Eh, si. Écoutez, Asti, mon vieux, allez-y, on a assez traîné, il est 11h passé. 11h03, exactement. Si, mais écoutez d'abord le gratin. Eh ben oui, quoi, il palpite, on le sait. Et que non, monsieur Théo, justement, il palpite plus. Mon Dieu, mais c'est vrai. Chut, taisez-vous. Bon sang, mais il a raison. On n'entend plus les battements. Christ, je commence à comprendre toutes les questions qu'il m'est posé au téléphone, monsieur Frax. À quel sujet? Mais quand madame Malvina m'a fait évader après m'avoir fait arrêter, oui. Eh ben, il voulait savoir quelle heure il était. Et il était quelle heure? Comme à présent, 11h02 ou 3. À présent, il est 11h05, Asti. Écoutez. Écoutez. Quoi? Le gratin de macaroni. Hein?
Les battements, ça vient de reprendre. Black. Black, une dernière fois, je te demande de réfléchir à ce que tu fais. C'est tout réfléchi, vieux White. Bon, tu l'auras voulu. Il faut en finir. Adieu à tous. Tous mes amis que je ne reverrai peut-être plus. Ou j'en verrai peut-être, mais sans les reconnaître. Merci de votre gentillesse. Et merci de votre amitié. Et à présent, le gratin qui tue. Ah, il est fameux, votre macaroni, Asti. Black. Fameux. Je crois que je n'en mangerai jamais d'aussi bon. Oh mon Dieu! Christo, c'est pas possible. Il est mort. Son cœur ne bat plus. Oui, c'est normal, tout à fait normal. Normal? Trouvez ça normal, vous, professeur Hardy Petit? Ah. Mon copain Black est tombé là, le nez à côté de son assiette, vous trouvez ça normal? Vient de bouffer votre saloperie de gruyère qui tue, vient d'en crever, son cœur bat plus, et c'est normal. White, voyons. Black. Black, vieux Black, je te l'avais dit. Fallait m'écouter, maintenant t'es mort, grand couillon. Ils ont eu ta peau avec leur saleté d'expérience. White, mais calmez-vous. Oh, foutez-moi la paix, vous autres, vous me débectez, tiens. Oh, c'est rien, c'est les nerfs. Bah, dites, professeur, vous croyez qu'il est mort, monsieur Black? Non, Asti, il est en léthargie. C'est une mort apparente, c'est ça qui a permis aux babus de récupérer leurs soumis après l'inhumation. Portons-le dans la chambre, on l'étendra sur le lit. Dans 2 jours, il se réveillera, habité par une force d'un autre monde. Ce sera à nous de l'observer, de déduire, de comprendre. Mes enfants, le sacrifice de Black va peut-être sauver le monde. Le lendemain matin, loin de là, Barney Garambi de Basse-Pyrénées, Furax et Philodendron, toujours déguisés en pâtre basque, se présentaient à la grille de la villa Biatarana. Allez, Philodendron, sonne. Vous croyez que c'est raisonnable? Faites venir les chèvres tranquilles. Le cours, Babylone, allons, soyez sages. Alors, tâche de comprendre, Philodendron. Il faut essayer de s'approcher de la comtesse Randy Bescoy, ah, le ça, faux. Ça ne va pas être facile, monsieur. Si toutefois j'ose émettre cette restriction poméranienne. Il faut contacter la comtesse pendant ces 5 minutes de lucidité. Ces 5 minutes qui ne se présentent que pendant 3 nuits, au cours de la pleine lune, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Tu comprends, monsieur. Oui. Et on a déjà laissé passer hier. Eh oui, déjà une occasion perdue. Je ne peux plus me permettre le moindre risque d'échec. Il faut que je lui parle, cette nuit même, entre 11h et 11h05. Et pour ça, il faut s'introduire dans la villa. Monsieur a un plan? Tu vas voir. Sonne. J'obtempère, monsieur. Si j'ose employer ces termes paternalistes. Oh, tu as très bien sonné, Philodendron. J'ai sonné selon les règles du manuel d'alerte en usage chez les personnes de qualité, monsieur. La porte de la villa vient de s'ouvrir, là-bas. Il y a un homme qui sort. Oh, monsieur! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? L'homme qui vient par ici, monsieur. On dirait... On dirait quoi? Mais regardez-le bien! On dirait Pitoiseau. Quoi? Qui? Pitoiseau, bon sang, je crois que tu as raison. Mais oui, je suis sûr, monsieur. C'est bien Alfred Pitoiseau, le camionneur de la fromagerie Glockenspiel. Qui avait emmené Asti à bord de son camion à Monaco. Le frère de Julien Pitoiseau, poignardé par les babus. Qu'est-ce qu'on fait? On saute. Non. Il y a 90 chances sur 100 pour qu'ils ne nous reconnaissent pas avec nos bérets basques, nos lunettes noires, nos cheveux longs et nos 2 chèvres. Quand même, monsieur, c'est risqué. Le risque fait partie de ma vie. Attention, le voilà. N'oublie pas, on s'appelle Jeannet et Bertrandou. Bon. Et on est chevriers, n'est-ce pas? C'est vous qui avez sonné? Oui, excusez-nous. On voudrait faire paître nos chèvres dans votre parc. Parce que, on a remarqué, chez vous, il y a la plus belle herbe du canton. N'est-ce pas? Ah, ben pour ça, oui. Pour de la belle herbe, c'est de la belle herbe. Oui. Ah, il y a longtemps que ça n'a pas été entretenu ici, alors forcément, elle pousse. Alors, on peut entrer? Dites, c'est une propriété privée ici, c'est la villa Biatarana. Ah. À la comtesse Randy Bescoy, alors, hein. Allez, d'accord, allez, entrez, hein. Merci. Vous êtes bien complaisant, monsieur. Et dites-moi, est-ce que ça vous ennuierait beaucoup qu'on passe la nuit dans le parc? Où c'est que vous dormirez? Dans l'herbe, à la belle étoile, avec nos chèvres, ma chèvre la courbe et ma chèvre Babylone. Alors là, je vois que vous êtes des chevriers consciencieux, oh, ça oui. Vous plaît. D'accord. Allez, je vous laisse, hein. Installez-vous.
Et vous faites pas remarquer. Oh, au revoir, monsieur. Ouf. Là, là, là. J'ai eu chaud. Mais Dieu merci, ce pitoiseau ne nous a pas reconnus. Tu vois que ça valait la peine de prendre le risque. Maintenant, on est dans la place. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit. C'est la nuit. Dans le hall d'entrée de la villa Biatarana, deux ombres se glissent sans bruit. Monsieur Furat ! Ce sont les deux chevriers Jeannet et Bertrandou qui montent l'escalier sur la pointe des espadrilles. Doucement, Philo ! Ce sont les marches qui craquent ! Quelle heure est-il ? Il faut que nous entrions dans la chambre à 11h juste. 11h, Philo. 11h du soir. Et je suis là, à 1 mètre de la porte de sa chambre. Tu réalises ? Oh oui, monsieur. 3 nuits par mois, pendant 5 minutes, la force inconnue qui habite les soumis s'endort entre 11h et 11h05. Et nous voilà ici, Philo, dans la villa Biatarana, dans sa villa. Il est 11h et je suis à 1 mètre de sa porte. Vous êtes à 1m50 et il va être 11h01 si monsieur m'autorise cette précision. Ah, bon Dieu, 1 minute perdue déjà. Entrons. Entrez seul, monsieur. Je vous attends ici. D'accord. Malvina. Malvina, éveille-toi. Qu'est-ce que c'est ? Malvina, allume, c'est moi. Qui est là ? C'est moi, mon petit, allume. Voilà. Malvina. Furax ! Mon petit. Mais quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? 11h02. Ah, c'est pour ça, mon Dieu. Oh, quelle horreur. Mais comment as-tu pu savoir, Furax ? Ne t'occupe pas, mon amour, serre-toi dans mes bras. Oh, Fufu, mon Fufu. Oh, Malvina. Oh, mais il y a des centaines d'années que je t'attendais. Malvina, mon petit, où étais-tu ? Je ne sais pas, Edmond, mais je suis là, présent dans tes bras, pour toujours. Pour toujours. Pour... Oh, non, non. Non. Quelle heure est-il ? 11h03. Ah, oh, mon Dieu, dans 2 minutes. Il va se réveiller. Qui, ça ? Le monstre qui est là, là-dedans, qui me ronge le cœur, l'estomac, qui me bouffe la tête. Malvina. Il faut te sauver, Fufu. Quand il va se réveiller, je vais te tuer. Il va m'obliger à te tuer, mon petit. Il va être l'heure, monsieur. Je sais, Philo, merci. Je suis perdu pour toi, Edmond. C'est à l'intérieur, tu comprends. Ça commande à ma place, ça pense à ma place. Et moi, j'agis comme une bête, comme une mécanique. Et j'agis pour eux, pour les aider, ceux de son espèce. Pour les aider à nous envahir tous. Si tu savais comme ils sont forts, Furax. 11h04, monsieur. Je sais, Philo. Malvina, mon amour, je te reprends. André, je le jure. N'essaie pas, Edmond, ils te tueront. Je te tuerai, moi, la première. Demain, c'est la dernière nuit de pleine lune. Je reviendrai à 11h. Tu me diras. Oui, Fufu, mais que je ne te vois pas avant, surtout pas. Rendors-toi, mon petit, rendors-toi. Ferme tes yeux, ma tendresse. Oublie que tu m'as vu, oublie-moi vite. C'est difficile de t'oublier, Félix. Et je sais. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Bonne nuit. Quelle heure, Philo ? Juste 5, monsieur. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Quelle histoire affolante ! D'autant plus que le lendemain matin, à son réveil, la veuve noire... Pitoiseau ! Pitoiseau ! Madame la comtesse a sonné ! Pitoiseau ! Quelqu'un est entré ici cette nuit. Ici ? Où ça ? Ici, dans ma chambre. Je sens une présence. Oh, madame la comtesse, mais qui voulez-vous ? Mais je ne sais pas, mais quelqu'un est entré. Tiens, regarde, là, des marques de pieds sur la moquette, de la terre. Ben, c'est peut-être moi, hier soir, en faisant la couverture. Ça m'étonnerait. Mon instinct me trompe rarement. Ben, je ferai une enquête, madame la comtesse. À cet instant même, dans le parc, Furax, heureux, confiant, respirait l'air du matin. Ah, Philodendron, que ça fait du bien d'être heureux. Permettez-moi de l'être avec vous, monsieur. Et là-bas, vous autres ? Oh, c'est pitoiseux, monsieur. Il n'a pas l'air content. Oui, le fait est, il en fait une tête. Vite, Philo, le béret est bien rabattu sur le nez, les lunettes noires bien ajustées qui ne nous reconnaissent pas. Alors, vous autres, les pâtres,
Vous entendez pas quand je vous appelle? Si, si, monsieur, ben on s'apprêtait à vous répondre. Comment je vais vous appeler déjà? Moi, c'est Jeannet. Moi, c'est Bertrand Doux. Jeannet, Bertrand Doux, des noms à coucher d'or. C'est justement ce qu'on a fait, monsieur, puisqu'on a passé la nuit à la Belle Étoile. Ah oui, à la Belle Étoile. Eh oui, monsieur. Oh, oui. Faut pas vous payer ma tête, hein. Il y en a un de vous deux qui s'est permis d'entrer cette nuit dans la chambre de la patronne. Oh, voyons, monsieur, c'est pas possible. Oui. J'ai pas du tout envie de rire. Allez, lequel des deux? Mais c'est pas moi, monsieur, je le jure, sur ma chèvre le cou. Ni moi. Je le jure sur la chèvre Babylone. Pas la peine de nier. Il y a des traces de terre et d'herbe dans la chambre de madame la comtesse. Alors. Oh, je vous assure, monsieur, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça va. La vérité ou j'appelle les gendarmes. Non. N'appelez personne. C'est moi, je vais tout vous dire. Ah, quoi? Qu'est-ce que je vous disais? Alors. C'est moi. Ah, je suis bien coupable. Et je vois. Cambrioleur, hein? Moi, non, laissez-moi vous expliquer. J'ai aperçu madame la comtesse dans le parc et alors, oh mon Dieu, elle est si belle, j'en suis tombé amoureux. Oh, ben ça alors, toi, un misérable chevrier? Eh oui, le ver de lampe amoureux d'une suspension. Oh. Alors, je n'ai pas pu résister. Je me suis glissé la nuit chez madame la comtesse, juste pour la contempler pendant son sommeil. Elle est si belle, si belle. Eh bien, c'est du propre, Bertrand, nous, assez joli. Profitez de l'hospitalité qui nous est offerte aussi gentiment par monsieur l'intendant pour tomber amoureux de la patronne. Pénétrer dans sa chambre, c'est honteux! C'est infâme! Ah oui, je le sais, Jeannet, mais j'ai rien fait de mal. Oh, je suis désolé. C'est impardonnable! Oh, monsieur, je ne sais que vous dire. Je suis confus, vexé. Tenez, voulez-vous que je le griffe pour le punir? Non, laissez-le, il avoue. Je le laisse, alors, bon. Ouais, je suis pas un sauvage, je comprends les sentiments. Seulement un, faut pas exagérer. Oh, merci, monsieur. C'est fini, je ne recommencerai plus, non, plus jamais. Ah, j'espère bien. Sans ça, je vous vire et je vous interdis l'entrée du parc. Allez, salut, un pilier, venez bon. Rassurez-vous, monsieur, j'y veillerai. Il ne recommencera pas. Sacré Furax. Un fameux hypocrite, car il ne rêve précisément que de recommencer. Philo, c'est la dernière des trois nuits de pleine lune. Hélas, oui, monsieur, si j'ose employer cette expression galvaudée. Il faut absolument que je revoie Malvina ce soir, entre 11h et 11h05. C'est bien risqué, monsieur, mourir pour 5 minutes. Ce sont ces 5 minutes, Philo, qui vont m'aider à vivre. Onze heures du soir à la Villa Biatarana. Suivi du fidèle philodendron, Furax se glisse furtivement vers la chambre de Malvina. Mon Dieu, comme il va vite! Mon Dieu, comme il tremble! C'est qu'il n'ignore pas que celle qu'il aime, soumise à une force mystérieuse, ne redevient elle-même que 5 minutes 3 fois par mois pendant les 3 nuits de pleine lune. Et c'est aujourd'hui la 3e et dernière nuit. Reste devant la porte, Philo. Si Pitoiseau arrive, préviens-moi. Bien, monsieur, j'ouvre l'œil. Et moi la porte. Malvina. Furax. Mon petit. Oh, mon amour. Malvina. Quelle heure est-il? 11h01. Déjà. Et dans 4 minutes, cette saleté va se réveiller. Et tu ne peux rien faire contre ça. Rien. Depuis que j'ai mangé ces gruyères, c'est à l'intérieur de moi. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi toi? Mais c'est toi qu'ils voulaient, Fufu. Toi, ton cerveau, ton intelligence. Ils voulaient tout ça à leur service. Et ils n'avaient pas prévu que tu goûterais le gratin avant moi. Mais voilà. Pour l'instant, ils s'assurent des complices, des appuis un peu partout. Ils ont placé des soumis à tous les postes clés. Mais qui ça, ils? Ceux qui viennent d'un autre monde. Ils ont conclu une alliance avec les babus, qui espèrent toujours dominer le monde. Mais les babus seront balayés eux aussi, anéantis par ces êtres immondes. Et cette alliance, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas très bien, Fufu. Ces êtres-là ne peuvent pas vivre sous leur forme réelle sur Terre. Il faut qu'ils soient introduits dans un corps humain, ou conservés. Conservés dans du gruyère. Exactement. Oh, c'est affreux. Un jour, ils vont envahir la Terre, toute la Terre. Et c'est moi et mes semblables, qui leur auront ouvert les portes. Malvina. Fufu. Oh, Fufu, c'est horrible. Malvina, mon petit, ne pleure pas. Je ferai quelque chose, je te le promets. C'est impossible, ils sont trop forts. Songe donc que dans 3 minutes, si je te trouve encore ici, je te tuerai, Furax. Je te tuerai de mes propres mains. Ne crains rien, je trouverai, Malvina. Monsieur Furax, vous la Pitoiseau. Bon sang. Tiens, vous vous y mettez un joli travail, en pleine nuit dans la chambre d'une dame.
Allons, mais absolument pas, Pitoiseau. Ces messieurs sont mes amis. Vos amis? Mais parfaitement. Et je vous interdis de leur parler sur ce ton. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Si j'avais eu besoin d'aide, je suis bien assez grande pour appeler, non? Je m'excuse. Un peu tard, Pitoiseau. Non seulement vous entrez sans frapper, mais vous massacrez mon mobilier. Je vous conseille de filer plus vite que ça. Ah bien, madame la comtesse. Et surtout, Pitoiseau, je vous conseille d'oublier tout ça. D'oublier, même si je vous questionne moi-même. Compris? Compris. Allez vous coucher. Monsieur Furax, 11h04 et 30 secondes. Bon sang. Ah, oh, va-t'en vite, mon fufu. Je reviendrai. Pas demain, surtout. La pleine lune est finie. Non, je reviendrai quand il faudra. Tu es merveilleux, Edmond. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Vite, monsieur, je vous en supplie. Allez, viens, Philo. Adieu. Pitoiseau ! Voilà ! Qu'est-ce qui s'est passé ici cette nuit ? Comment ? Madame la comtesse, j'ai pas très bien compris. C'est curieux, j'entends pas bien. Par moment, je suis... Faudrait que j'aille consulter... Pitoiseau, cesse tes simagrées. Je t'ordonne de répondre. Que s'est-il passé ici cette nuit ? Ici ? Cette nuit ? Rien du tout, madame la comtesse. Ah oui, vraiment, rien, il ne s'est rien passé. Tu me prends pour une déséquilibrée ou quoi ? Oh, madame la comtesse. Tout est démoli dans cette chambre. La console est cassée, il manque deux pieds au lit, la glace est fondue, les rideaux sont arrachés et il ne s'est rien passé. Ah oui, ça alors, excusez-moi, j'avais pas remarqué. Ah. Oh là là, quelle histoire ! Je sais pas, je suis pas au courant. Ah, parole, madame la comtesse. Chien que tu es, vas-tu me répondre ? Mais regarde, les bibelots volés en éclats. C'est plus une chambre, c'est un champ de bataille. Espèce de charognard. Une dernière fois, que s'est-il passé? Réponds ou je te cravache. Oh, ouais, madame la comtesse, allez-y, mou. Hein, ça suffit comme ça. Il y en a marre. Vous savez aussi bien quoi ce qui s'est passé ici cette nuit. Sinistre abruti. Non, je n'en sais rien. Et c'est pour ça que je te le demande. J'y allais un peu fort. Moi, j'obéis à vos ordres. Alors j'ai oublié ce qui s'est passé cette nuit. Oh, c'est effrayant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'obéis en oubliant? Oh, non, ça marche plus. Et puis je commence à en avoir ma claque, moi. Vous avez déjà fait le coup au Tanganyika quand vous avez fait évader Astis Poumante. Et bien que ça recommence, alors. Tanganyika, Astis Poumante, Edmond. Oh, bonté divine, mais rien n'est vrai, rien. Non, rien. Oh, ma tête. Mais où sont-ils, ces deux chevriers, hein? Où sont-ils? Il ne faut pas qu'ils sortent vivants d'ici. Où sont-ils? Oh, vous pensez bien qu'il y a longtemps qu'ils sont partis, puisque c'est... Pitoiseau, écoute-moi bien. Oui. Quoi que je te dise, quoi que je t'ordonne, si jamais tu les revois, ces deux chevriers... Oui, et alors? Si jamais tu les revois, ou tu les fuis, ou tu les fais fuir, ou... Où? Ou tu les supprimes. Et voilà, mes amis. Je vous ai tout dit, tout raconté. C'est incroyable. Oh, ainsi, elle vous a parlé. Oui. En 5 minutes, elle a eu le temps de m'expliquer les grandes lignes. Furax, vous savez que grâce à vous et à cette entrevue trop brève avec Malvina, nous venons de faire un grand pas. Oui, mais ça s'arrête là. À la prochaine lune, où sera Malvina? Ah. Certainement plus à Barney-Garambine. Hein. Je ne l'aurai plus pour lui poser d'autres questions. Vous n'aurez plus Malvina, mais nous aurons quelqu'un d'autre. Qui? Black! Mon cher Furax, eh oui. Black, qui s'est sacrifié, qui n'a pas hésité à manger un gratin de macaroni aux gruyères qui tue, pour que nous puissions observer un soumis et tenter de sauver le monde. À quoi que vous pensez, monsieur Furax? Je songe, Astie, à tout ce courage dépensé, à tous ces sacrifices individuels. Il n'est pas possible que tous ces gens aient lutté pour rien, pas possible. Pas possible. Pas possible, il me fait rire, ce Furax. S'il voyait en ce moment le malheureux Socrate s'acharner à coups de poing contre les murs capitonnés de sa cellule. Il saurait ce que c'est de lutter pour rien. Je ne suis pas fou! Je ne suis pas fou! Je veux sortir d'ici, je veux pas rester là! Oh là, quelqu'un! Docteur! Infirmier, à moi! Je ne suis pas fou, je ne suis pas fou! Eh ben, en voilà du boucan, il faut pas gueuler comme ça, mon vieux. Ah, vous voilà infirmier de malheur! Je ne suis pas fou, vous savez!
Ouais, fou ou pas fou, hein, je fais mon boulot, le reste c'est pour mes oignons. Je veux voir le médecin chef. Le médecin chef, tout de suite. Parce que je ne suis pas fou. Je veux voir le médecin chef. M'énerve pas, mon pote. C'est justement lui qui m'envoie te chercher. Allez, hop, par ici, direction cabinet du docteur Balpo. Ah, docteur. Ah, docteur. Oui. Enfin, depuis le temps que je vous réclame, j'en appelle à votre conscience professionnelle et à votre conscience tout court. Ce n'est pas possible. Me détenir ici, dans cette maison d'aliénés, est un acte monstrueusement arbitraire. Je sais, je... mon ami, je sais. Calmez-vous, allons, calmez. Mais je ne suis pas fou, docteur, vous entendez, je ne suis mais pas bien fou. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je suis parfaitement équilibré. Oui. Je suis le commissaire Socrate. Je ne suis pas fou. Alors, vous disiez, monsieur Socrate... Je dis que c'est à cause des babus que je suis ici. Ah, parce que Fabius est un babu. Ah. Oh, les babus, docteur, et les soumis, qui sont des créatures des babus. Oui. Docteur, je vous en supplie, laissez-moi partir. Je dois lutter contre les babus. Démasquez Fabius. Il y va du salut du monde. Le monde est en danger, docteur, je vous en conjure. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est ça. Vous allez bien vous reposer maintenant, hein. Bien vous relaxer. Là. Docteur, vous ne me croyez pas. Vous croyez que je suis fou. Mais non, mais non, mais non. Mais non, si, non. Mais si. Et pourtant, docteur... Est-ce que mon histoire est logique? Pas positivement, non. Il s'en faut même de beaucoup. Ça. Alors c'est qu'elle est vraie. Parce que les vrais fous ne racontent que des choses logiques jusqu'à ce qu'une faille se produise, exact. Oui, mais c'est le... Alors, moi, à l'entendre, rien de ce que je raconte me paraît logique. Conclusion, je ne suis pas fou. Mais il y a du vrai dans ce que vous dites. Hein? Vous pouvez enquêter, vous renseigner, faire des recoupements, vérifier tout ce que je vous soumets, s'il vous plaît, docteur. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Comment s'appelle-t-il déjà celui qui serait la cause de votre présence ici? Fabius, docteur. Fabius. Un ancien sergent de sapeurs-pompiers qui m'a remplacé à la tête de la DDT. Fabius. Bon, c'est bon. Je vais voir ce que je peux faire. Un espoir, peut-être, mais ce qu'il donne d'un côté, le destin le reprend de l'autre. Et le soir même, à Saint-Cloud... Furax ! Furax ! Venez vite ! Céon ! Carole ! Laissez-le parler ! Ah, voilà, c'était l'heure où Black devait en principe sortir de son sommeil léthargique. Oui, et alors? Alors, j'ai voulu assister à son réveil. Alors? Je suis entré dans la chambre où nous l'avions étendu. Oui. Oh, mon Dieu! Quoi? Mes amis! Black! Black a disparu! Ah, voyez, on l'avait étendu ici. Vous êtes sûr qu'il dormait? Oh, ça, certain. C'est cette léthargie tellement semblable à la mort qui permet l'installation de la force inconnue à l'intérieur du corps où elle vient de pénétrer. Oui, c'est cette léthargie qui nous a fait croire au décès de Malvina et qui a permis aux babus de la récupérer dans sa sépulture. Oui, mais dans le cas de Malvina, les babus savaient qu'elle avait absorbé le gruyère qui tue. Tandis que pour Black, tout s'est passé ici, les babus ne pouvaient pas le deviner. Oui, c'est exact. Comment aurait-il pu l'enlever? Et moi, je crois que j'ai une idée. Ah oui? Eh bien, dites toujours, Asti. Et peut-être qu'il n'a pas été enlevé, peut-être qu'il est parti tout seul. Quoi? Tout seul? Parti? Et si? Insoumis, oui, plus rien qu'insoumis. Et Black, sitôt éveillé à sa nouvelle vie, s'est immédiatement dirigé vers l'endroit où il savait trouver un de ses pareils. Ça, c'est inouï et incroyable. Décidément, la réalité dépasse les plus beaux rêves. Oh, mon cher Black, jamais je n'aurais osé espérer vous compter parmi nos soumis. Comment jugez indigne? Oh, non, bien au contraire, vous étiez un adversaire sagace et courageux. À présent, toutes vos qualités vont se retrouver de notre côté. C'est mon plus grand désir. Eh bien, mais c'est parfait. Je me réjouis de ce ralliement spontané. Toutefois, je suis un méfiant, vous me connaissez. Bien sûr. Vous demandez si je ne cherche pas à vous tromper. C'est normal, mon cher Claquemuffe. Dieu merci, nous avons les moyens de savoir si Insoumis est vraiment Insoumis. Un examen? Oui, fait par un de nos grands savants. D'ailleurs, vous le connaissez. Je le connais. Bien sûr. Moche-moche. Moche-moche? Oui. Grégory Moche-moche. Moche-moche! Grégory Moche-moche moi-même. Tellement heureux de retrouver ce cher monsieur Black. Très sincèrement réjoui. Et d'autant plus que ce cher monsieur Black est un de nos soumis à présent. Et là, doucement, Clatif. Soumis, on ne sait pas encore.
Il faut attendre l'examen. Ah, exact. Alors, procédez, nous allons. Premier test, réflexe. Chaviro. Autantachat. Chami Pataro. Auréa Patachat. Parfait, monsieur Black. Répétez après moi. Incroyablement. Incroyablement. Indiscutablement. Indiscutablement. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Indubitablement. Indubitablement. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Non, 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 c'est plus la peine de répéter. Très positif. Voyons le test d'obéissance. Soumis, mets-toi à quatre pattes. Très bien, excellent. À présent, tu es petit chien misérable. Allez, sois, sois petit. C'est splendide, Mosh-Mosh. Chien, tu vas lécher les bottes de Monsieur Claquemet. Allez vite, allez. On voit ça une fois dans ma vie. Assez. Oh non, Black. Ne me soufflez pas sur les mollets. Assez, chien, allez. Relève-toi. Excellent test positif. Je suppose, Claquemeuf, que je suis avec vous pour défendre une cause et non pas pour faire le chien. C'est un examen, Black, pas une profession de foi. À présent, Grégory Mosh-Mosh moi-même va procéder à miraculeuse auscultation crânienne. Test absolument radical. Penchez crâne en avant, monsieur Black. Oui. Merci. Si le patient est habité, on entend palpiter quelque chose dans sa tête. Chut. Écoutez. Écoutez, monsieur Claquemeuf. Formidable, sensationnel. Vous êtes insoumis, Black. Vous êtes un babu. Embrassez-moi. Vite, allez dans mes bras. Vous mouillez la joue, Claquemeuf. Ça n'est pas de la bave, non. Je pleure d'émotion. Et pour Grégory Mosh-Mosh, un petit bisou. Si, tenez, je vous embrasse. À présent, Claquemeuf, consigne. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, ça va être très simple, mon cher Black. Chacun de nous a une mission, un poste clé, un endroit à surveiller. Le vôtre est tout trouvé. Furax. Parfaitement. Retournez chez vos amis, arrangez-vous pour qu'ils croient que l'opération n'a pas réussi, que vous n'êtes pas un babu, et à ce moment-là, nous les tenons. Mon cher Claquemeuf, c'est comme si nous les tenions déjà. Tout le monde y pue, ils sont la charogne. Y'a que le grand babu qui sent l'autre cologne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que le grand babu qui a la bonne odeur. Attendez, laissez, je vais ouvrir. Black! Ouais! Black, ma vieille! T'es pas mort, hein? Eh, tu vois bien que non, grand couillon! Eh, vous autres, regardez! Regardez, c'est Black, c'est mon copain, il est pas mort! Oh, oh, c'est là! Bah alors, Black, où étiez-vous passé? Je ne sais pas, j'ai erré, j'ai marché au hasard, je sortais comme d'un rêve. Mais alors, ton expérience? Ben, tu vois, vieux Wade, je crois qu'il est raté. Oh. Si vous voulez un soumis, faudra trouver quelqu'un d'autre. Vrai? Ma parole d'homme. C'était signé Furax, le gruyère qui tue. Et dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.